samedi 11 mars 2023. Paris, place de la République, manifestation contre la réforme des retraites. Le klaxon des trains, putain. Oh, ça, chaque coup qu'il klaxonne, tu me donnes des coups. Allez, super. Arrêtez de massacrer l'humain. Okay.
prête, Nathan. Pour toi, on lâche rien. Ah, bravo, bravo. Non, à la retraite, 64 ans. Ah, ouais, oui. Je vais en faire un autre costaud là, avec toute la, le capitalisme. Ah oui, bonne retraite. Bonne retraite. Ouh. Ah ouais, oui, plus. Ouais, ouais. Ça n'arrêtera pas d'augmenter. C'est hein. Ça. Et là, bon bah celui-là, tout le monde le connaît. À un moment donné, ça va être. C'est surtout le point là. Il est ah beau ouais, le. Ouais, ouais. J'aurais dû le mettre derrière. Ah, c'est super. Ah, les petites fleurs! Ah tiens, Macron méprisant de la République. 64 ans, c'est non! Attaque! Super! Merci à toi! Hey, bonne journée, hein, merci infiniment! Ah, ils sont là-bas, hein. Ils sont là-bas, là-bas, en avant! Là-bas! On attend notre collègue gilet jaune et on va les rejoindre. On attend la poussée. Oh, bah tu vois alors! Daniel, je pense. Ça va, laquelle, le Canada? Oui. C'est Daniel, ton nom, c'est quoi déjà? Michel. Ah oui, Michel. C'est pas bon, ah, salut, ça va? Ça va, toi? Ils sont tous là-bas, hein? Ouais, là-bas, on va y aller, là. Ouais. On a attendu la vie, elle est partie. Arrêtez de massacrer l'humain. Au revoir. Je reviens. Je reviens te chercher. Oh, ça commence, ça commence. CFE, CGC. Itinéraire principal, manif contre la réforme de la retraite. Nous sommes le samedi 11 mars 2023. Donc, on est sur l'itinéraire, premier itinéraire. Tu peux laisser, hein? Premier itinéraire, c'est la place de la République, boulevard du Temple vers la place de la Bastille, et ensuite direction Nation. Et puis l'itinéraire bis, c'est pas loin d'ici, c'est juste ici, boulevard Voltaire, direction Nation pour 4 km.
peux les rejoindre. Hein. Quand tu vas arriver, je vais te prendre. Ça va attendre là-bas. Parce qu'à l'occasion, s'il y a trop de monde, ils vont s'ériger sur l'autre côté. Ah oui, oui. Ici, je verrai. Tu penses qu'il va y avoir beaucoup de monde? Ça arrive. Pour entendre dire qu'il y aura encore que 3 ou 4 000 personnes. Occurrence. Ah oui. Occurrence, mais on dira il y a 3 ou 4 personnes sur le boulevard. Ça m'a bien fait rire la dernière fois. 80 000, c'est un stade de foot. Arrêtez les conneries. On n'est pas un match de football. C'est quoi votre pire chaîne de télé ou BF Merde. C'est à peu près la même chose. C'est pareil. Mais tu t'en vas plus à l'ouest, n'importe quoi, ça commence à varier. Ouais. Puis t'arrives à l'autre bout, c'est complètement le contraire. Non, mais là-bas, ils sont quand même pro-vaccins. Hein. Ils sont tous pro-vaccins partout. Je sais pas, ils ont tellement eu peur de mourir. Franchement, pardonne-moi. J'ai carrément de la maison. Mais c'est le problème, c'est ça. C'est que tu vous empêchais les gens d'aller. Tu peux pas te le permettre. Hein? D'aller. Non. Quand t'as un boulot, malheureusement. Ce qui est arrivé, c'est que ce matin-là, que tu dis « Ok, je vais me faire vacciner », tout le monde aurait dû aller dans la rue. Mmh. Une protestation juste comme ça. On ne savait pas ce qui est arrivé, ce que c'était, cette merde. Non, mais je veux dire que tous les gens, ils auraient dû se réveiller tout de suite, aller marcher tout de suite dans la rue, dire « Ben non, on ne veut pas se faire pour, pourquoi ?» Ils ont fait peur au peuple, forcément.